Et salut tout le monde. Bon bah on se retrouve pour une petite vidéo à la Retro Games Day. Il y a pas mal de monde. Il y a un petit stand de PS1 là qui a pas l'air mal. Avec bah, quelques consoles voilà pour jouer. Mais c'est pas tout. Voilà. Monte. Il y a vraiment pas mal de monde, c'est sympa. Là c'est l'heure de pointe. Je m'étais dit tiens je vais vous montrer ça. Donc comme d'habitude, encore une fois, un petit stand PS1, là je me suis agrandi un peu. Il y a des petites pubs, des petits magazines sympas, des boîtes qui sont vides, mais c'est fait pour la déco. Ici on a les CD de démo, voilà, pour présenter un petit peu. Les fameuses pochettes que j'ai retrouvées avec des jeux dedans. L'instant, la petite pub, voilà, la petite pub, c'est rigolo. La bonne vieille VHS qu'on avait avec la console. L'instant Wikipédia si vous cherchez des infos sur la console avec quelques jeux, voilà ça j'avais déjà montré mais c'est sympa, voilà après ça permet de jouer et puis là on retrouve voilà du Tekken ça marche très bien et un petit Rayman, c'est tout mignon, ça passe très bien sur une petite télé cathodique, voilà ça joue pas mal, après il y a vraiment plein de consoles là qui ont été exposées en îlot central voilà tout autour voilà tout le monde peut venir jouer. Avec une collection qui a été exposée là. Là voilà, une petite collection bien sympa. Voilà, on continue, il y a pas mal de petites pièces. C'est Willy qui nous a ramené ça. Salut. Salut Cyril. Bon, tu nous as ramené des belles pépites. Ouais. Comme une... C'est une belle petite partie de ma collection. Ouais. Et qui sait qu'il y aura peut-être un cadeau pour Cyril. Non, il a un pack Rayman en fait, un pack PlayStation Rayman. Cette espèce de grand fou. C'est un pack qu'on voit pas tous les jours. Ouais d'accord, on le voit pas tous les jours. On le voit pas tous les jours. Moi je le connaissais pas il y a un mois. Et voilà. Bah, je vais faire le tour. Je vais le présenter un petit peu, à faire un petit peu le tour. Merci. De rien Cyril. Voilà, il y a plein de consoles. Ici, on a des bornes d'arcade. C'est Steven qui fabrique ça. Donc je sais plus le nom. Voilà, c'est là. Je vais retrouver le nom. Nostalgic Gamer. Je dis pas de bêtises, hein, ça. En fait, ils fabriquent des bornes. Il y a des bornes en mode. Ça peut être tout simple avec un Raspberry dedans. Mais sinon, il y a de la Pandora en mode un peu pro. Bah, tiens, le v'là. Salut. Hello. Ça va bien? Bon. Ça va et toi? C'est toi qui fais les bornes? C'est ça. Ouais. Bon. Nostalgic Gamer. Enchanté. Enchanté. Bon, on s'est vu un petit peu hier. Bah, écoute, c'est bien sympa. Des petites bornes sympas, ce que je disais, des bornes soit grand public ou pro. Grand public ou pro. Donc, on est sur une base Recalbox Raspberry. Ouais. Avec ses 1500 jeux. Ouais, quand même, 7500. Ouais, ça claque quoi. Et le but, c'est que je peux faire des bornes personnalisables. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Voilà. Des belles petites bornes sympas quoi. Merci. Bah, c'est cool, merci. Bon, je continue mon petit tour. Voilà, allez, c'est cool, merci. Bon, voilà, bon, je commence à plus avoir de batterie. Alors, je vais couper là et puis je reprends juste après. Dans ma blaireau, j'ai pas de batterie. Voilà, c'est tout de suite mieux avec de la batterie. On est reparti. Donc, je disais, voilà, il y a des bornes. Là, il y a des bornes, il y a des Pandora à boss, voilà, des petites choses très sympas par là. Je continue, là il y a une Jack Daniels. Elle est belle celle-là. Elle est, les gars, vous en pensez quoi? Elle est très belle. Elle est sympa. Avec la bouteille, c'est le top. Voilà. Bah, je vais la montrer. Avec modération. Je vais la montrer quand même, je vais faire un peu le tour. Voilà. Donc voilà, c'est ça qui est cool avec ces bornes. Bon, c'est un budget, hein, voilà, 1210 €. Mais c'est... il y a du boucan. C'est du travail artisanal, hein. C'est fait... c'est un artisan qui fait ça. Venez regarder, une petite Dreamcast avec... Sega Rally. Non, pas avec Sega Rally, avec Crazy Taxi. Voilà, je fais un petit peu le tour. Il y a beaucoup de monde, mais c'est cool. Donc là, on retrouve encore d'autres consoles. Et je continue de vous montrer, voilà, je vous ai dit... Il y avait un petit pack, regardez le pack, voilà, j'espère que vous allez le voir. Là-bas, il y a un petit pack PlayStation, voilà, je vais vous montrer comme ça. Voilà. Là, il y a un petit pack PlayStation avec Rayman, je ne sais pas si on verra grand-chose. Voilà, comme ça. Avec Rayman dessus, c'est un pack qu'on ne voit pas tous les jours. Voilà. Mais bon, voilà. Donc et bah, là, il était là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, il y avait des petits gâteaux personnalisés. Là, il y a de la Neo Geo, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et après ici il y a Cash and Play. Il y a Cash and Play qui a une boutique à Lens. N'hésitez pas à aller faire un petit tour avec son gérant qui est très très sympa. On a discuté, on s'est fait une petite partie de Wipeout. C'est vraiment sympa. Essayez de faire le tour. Bon, il est en plein dans les affaires. Voilà, ça marche. Voilà quelques jeux qu'il a ramené, mais sinon il y a la boutique. Je vais essayer de faire ça proprement sans tout casser. Voilà.
un petit peu. J'avais plus de batterie. Vous êtes le youtubeur. Oui, c'est ça, voilà. Vous pouvez jouer à la console Play. Oui, voilà, vous pouvez jouer, il n'y a pas de soucis. Bon, faut parler un petit peu plus fort, on a tout le monde là. Bon, je suis bien entouré, je suis avec la Dream Team. C'est ça, l'équipe de rêve. Mathieu? Oui, c'est moi. Mathieu Brosse, donc il y a une chaîne YouTube aussi, qui nous parle un petit peu de rétro. Rétro, je peux aussi full set, Wii U. Voilà, t'es bientôt au bout. Ça touche à la fin. Hein? Seb? C'est moi. Et Angel? Voilà, donc l'équipe qui est là, derrière moi, c'est grâce à eux qu'il y a tout ça, on est d'accord? C'est grâce à vous. On peut dire ça comme ça? De base, ouais. Alors voilà. Vous avez créé quelque chose il n'y a pas très longtemps. Pardon, hop, je vous mets ça. Vous avez créé quelque chose il n'y a pas très longtemps, histoire d'officialiser un petit peu tout ça. Ouais, c'est ça, donc on a créé une association justement pour faciliter les organisations de ça, d'événements comme ça, aussi bien pour les assurances que pour avoir des lots, parce que c'est assez compliqué. Ouais. On est plus crédible. Voilà, si t'es pas asso, on rigole un peu au nez quand tu viens de faire des lots. C'est ça. Donc là, ouais, avec une asso, ça fait un petit côté un petit peu plus sérieux. Voilà, c'est ça, plus officiel. Donc alors, chacun s'occupe de quoi? Tiens, vas-y, mettez-vous là. Chacun s'occupe un petit peu de quoi dans l'asso? Moi, je suis secrétaire dans l'association. Ouais. Sinon, lors d'événements comme ça, je vais jeter des coups, avant là-bas, Ouais, tu peux, attends, hop, je reprends ça. Vas-y, je t'emprunte, sinon on va pas beaucoup t'entendre. Vas-y, je t'écoute. Donc du coup, tout ce qui est parti un petit peu déco. Déco, fun, ouais, après amener un peu sur les jeux aussi. Ouais. Parce qu'on a chacun des univers différents. Toi, tu vas être plus aurore, moi je vais être plus un peu aventure. Ouais. Donc voilà, c'est de se complémenter, de se compléter. Ouais, chacun va apporter sa petite pierre à l'édifice, c'est ça? Ouais, c'est ça. Seb, toi, c'est plus un petit peu les jeux d'horreur, c'est Angel? Ouais, voilà, je suis plus survival horror, ouais. RPG action quand même. Ouais. Là, mes jeux préférés, Borderlands. Donc, moi, dans l'assaut, je vais être vice-président. Donc, je vais soutenir le président. Hein. Monsieur le président, on va s'occuper un peu de tout, la gestion, voir si tout se passe bien. Et puis, voilà quoi, voir si le déroulement du début tout va bien et puis après on continuera sur le même engrenage. Voilà. Et toi Mathieu? Chef? Alors moi c'est le chef chaudard de bande de bras cassés. De la 8ème compagnie. Et non, voilà, ce qui est bien c'est qu'on est une bande de copains au départ. Donc voilà, side. Okay. Moi en étant régional, on va dire, du salon, c'est plus facile pour moi de gérer plus de choses ici. Aussi bien la presse locale que la commune. La commune aussi. Qui a bien participé aussi. Ouais, qui apporte son soutien. Voilà. Au niveau des affichages et des choses. Super. Et on a aussi, donc, faut pas oublier nos partenaires qui nous donnent des lots. Oui. On ne paye pas l'emplacement pour s'installer. Et on nous donne des petits lots. Ça permet d'avoir des lots voilà. Pour les concours. Il y a eu des concours sur. J'ai vu Mario Foot. Il y a eu Mario Kart. C'est et ça. Smash Ultimate. D'accord. Bon, il y a un peu beaucoup de concours sur Nintendo. Va falloir renforcer un peu sur PlayStation. Alors. Et justement Cyril, grâce à toi hier on a pu faire le FIFA 98. FIFA 98 était sympa. Ouais. De rejouer à ce jeu. Oui, parce que Mathieu a eu la gentillesse d'organiser le concours FIFA 98 sur le stand, sur le petit stand que je faisais. Hop. Donc voilà. Tout s'est bien passé, qu'est-ce qu'on peut dire?
refaire. Ouais. Il y a des petites corrections à faire. Comme on ça. A tous, tous des avis comme ça sur le livre d'or. Il y a des petites ouais. corrections à faire. C'est vraiment minime, quoi. C'est genre du fléchage, c'est des poubelles. Des poubelles. Ouais, ouais, des petites choses. Ça, ça fait détails, rire, mais c'est vraiment. J'ai l'impression que les gens, ils ont vraiment mis le pied dedans. Ouais, ouais. Sinon, dans la globalité, ça s'est super bien passé. On a des super retours là déjà. Cool. Et les gens nous disent déjà l'année prochaine. Oh bah c'est génial. C'est grâce à ces événements-là qu'on rencontre aussi des passionnés. Des personnes qu'on ne connaît pas forcément, même si on fait un peu toutes les brocantes ou autre. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment c'est vachement fait... intéressant, on apprend beaucoup de choses. Et puis bah ouais, comme les gens disent, c'est à l'année prochaine. Quoi. Et les gens qui viennent comme ça sur le salon, t'as l'impression vraiment c'est une famille. Quoi. On connaît pas les gens, mais on se tutoie. C'est sympa. Il y a une bonne ambiance. Il y a une très bonne ambiance. Voilà. C'est bien cool. Voilà. Et tout type d'âge. Hein. Voilà. Enfants, oui, 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 oui. Parents, des personnes un peu plus âgées, voilà. C'est vrai. Donc ça fait bien plaisir. Ah bah écoute, et puis te voir. Bah ouais, bah, moi oui. je suis. Voilà. On s'était vu il y a déjà un petit moment. Bah il y a 2 ans. Voilà. Deux ans, j'aurais dit 3 mois. Ouais, peut-être 3 ans. 3. Le temps passe vite. Ça faisait un bon moment. Ouais. Donc, l'ambiance est toujours aussi bonne. Hein. Ah, bah, donc à refaire, je valide. Je valide à refaire. Merci. Merci. Le nom de l'asso, c'est comment? Remember the game. Remember the game. Voilà. Voilà. Et merci à toi d'être venu. Bah voilà, merci, c'était cool. C'était sympa. Et à l'année prochaine aussi alors. Voilà, au revoir. Allez, salut. Moi je suis sur le stand de Cash and Play avec Roger. Salut. Salut, c'est. On s'est pas vu du tout de la journée. Non, du tout. On est juste fait... à côté, mais voilà, on s'est pas vu. On s'est fait une petite partie de Wipeout tout à l'heure, c'était on sympa. On a chié sur la dernière. Ouais, c'est ça. On voit bien qu'on a souffert sur le même circuit. Voilà, exactement, c'est clair. Bon alors, moi, si je suis là, c'est pour que tu me parles un petit peu de Cash and Play, c'est quoi? Alors, on est un magasin de jeux vidéo qui est ouvert depuis maintenant 3 ans. Et en fait, on fait essentiellement tout ce qui est jeux vidéo rétro et des nouveautés. Donc tout ce qui est de l'Atari à la PS4, Xbox One, en passant par la Play 1. Okay. Voilà. Et en ça même temps, bien. Un peu de goodies ouais, et du multimédia. Ok, ça marche. Ouais, c'est cool. Donc on retrouve la boutique à quel endroit? Alors sur Lens, ouais. Sur rue de la Gare. Okay. Donc, et on est aussi sur Facebook. Okay. Ouais. Facebook Cash and Play tout court. Okay. Et en fait, on fait de l'envoi. Okay, un ouais. petit peu, c'est un truc qu'on va relancer par la suite. C'est un petit peu la. C'est un petit peu obligatoire, on va dire. C'est un peu obligatoire et on commence seulement. Donc on va étoffer le site après par la suite. Mais voilà. On peut contacter, on peut passer par la page Facebook. Si voilà, après on peut nous contacter par la page Facebook. On prend PayPal, il n'y a pas de souci, on fait les envois, pas de souci. C'est cool, ça marche. Voilà, tu peux présenter un petit peu. Ouais, tu peux. Un petit mot sur la PS1, toi, qu'est-ce que ça te rappelle la PS1? Ah, toute mon enfance, ouais. Forcément. Ça a été ma première vraie console que je me suis acheté moi-même. Ouais. Et sinon ma mère au départ non. Ouais. Donc c'est vraiment la première console, je me suis dit bah je me la paye. Et c'est des heures de jeu. Voilà, ouais. Ridge Racer, Wipeout, Final Fantasy 7, Battle Arena Toshinden. Des bons souvenirs. Voilà, des bons souvenirs. Ah, c'est cool, oui, parce que j'ai pas précisé, mais le Wipeout, on nous l'a réclamé. Hein, il y a quelqu'un qui nous l'a réclamé. Voilà. On se demande qui? Lui là-bas? Lui là qui nous l'a réclamé. C'était oui. génial, franchement c'était génial. C'était génial, mais c'est Roger qui nous a ramené le jeu parce que voilà. Moi je l'avais pas ramené, j'avais ramené du Destruction Derby, du voilà. Rayman. Du très bon jeu aussi. En mais... classique, voilà, mais j'avais pas pris le Wipeout, ça faisait défaut. C'est donc clair. Merci. Mais de rien. Voilà. A bientôt. A bientôt. Salut. Ciao. J'espère que ce petit tour d'horizon vous aura plu. Mais encore une fois, l'idée du stand comme ça, du stand PS1. Alors, je suis pas certain que les gens qui jouent se rendent compte que j'ai une chaîne. C'est pas le souci. Le truc, c'est de se dire, le stand, ça peut vous paraître un peu bordélique. C'est ça. C'est l'idée, c'est que vous venez, vous êtes comme à la maison. Il y a des jeux, les gens peuvent changer les jeux, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent. C'est pas des jeux de la collection, c'est des doubles que je ramène. Mais l'idée, c'est de se poser. Puis passer un bon moment sur le stand et c'est l'intérêt. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est de dire il y a différents jeux qui sont là, ça reste des jeux
très basique. Hein. Oui, c'est des jeux, c'est pas des jeux très rares, c'est pas des jeux très compliqués. Il y a pas de RPG parce que du RPG, c'est compliqué d'y passer toute une journée pour y jouer. Mais voilà, l'idée c'est d'essayer de jouer. Il y a plein de jeux qui sont là en accès libre et puis surtout dans des bonnes conditions avec des télés cathodiques. Moi, c'est ce que j'insiste, des télés cathodiques et puis une prise Péritel. Donc ça, c'est l'essentiel. Après, bon, les petites PS1, il y en a quelques-unes qui sont un peu capricieuses parfois, mais ça n'empêche pas que ça continue de tourner les manettes, ça continue de jouer, voilà. Donc ça fonctionne pas si mal que ça, et c'est l'essentiel. Après, voilà, il y a des jeux, comme je dis, qui sont un peu malmenés, mais c'est pas grave. Donc voilà, l'idée, tout le monde peut jouer, les petits, les grands, et c'est sympa. Parce que les petits, bah, des fois, n'arrivent pas à jouer, ils demandent aux parents, bah, est-ce que je peux me filer un petit coup de main? Et puis c'est les parents qui restent jouer là un petit peu plus longtemps, et ça fait plaisir aussi. Donc, ça rappelle des souvenirs aux petits, aux grands, aux plus grands, aux plus anciens, et c'est l'essentiel. Donc, bah, moi, j'espère que c'est ce que c'est ce qui vous aura plu. Voilà, c'est ce que j'aurais pu mettre un petit peu en avant dans cette vidéo. C'est ce que j'essaye de faire dans les conventions. J'avais dit déjà depuis le début de la chaîne, c'est ce que je voulais faire, et ça me fait toujours autant plaisir. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des événements pas loin de chez vous, auxquels vous voudriez que je vienne, n'hésitez pas à me dire. On verra. Il n'y en a pas d'autres de prévus pour moi d'ici, sur la fin d'année. On sait jamais, s'il y a des petites choses, on peut peut-être s'organiser. Et puis ça me ferait très plaisir. Voilà, je vous remontre un petit peu l'ensemble. C'est à peu près ça. Hein. Il y a quelques consoles, quelques télés, des jeux. Et puis de la bonne humeur, surtout de la bonne humeur, c'est l'essentiel. Et voilà, un petit peu de pub forcément, mais beaucoup de PS1. Beaucoup de PS1 pour s'amuser avec, regardez, des vieilles pubs. Je diffuse ça, c'est des vieilles pubs, on les trouve sur YouTube, mais je trouve ça rigolo de les diffuser là. Voilà, c'est histoire de se marrer 5 minutes. Et donc j'espère que ça vous aura plu ce petit tour. Et puis voilà, on se dit rendez-vous à très bientôt. En attendant, jouez bien, salut!